maudit tapin, c'est de ta faute s'il s'en va. Je l'ai dit comme l'homme avec la toute argentille. Je change Gérard, que je travaille. J'ai mon œil, tu connais rien là-dedans. Viens rien à connaître, il y a des images, mais tu sais. Mais c'est bon, tu pourras les vendre. Comme ça, c'est décidé, mais c'est pas temps. Vous me sacrez là? C'est tant que j'ai plus rien à vendre. J'ai déjà dans le trou, ils vont venir me saisir d'une minute à l'autre. Pourtant, vous avez encore des amis qui sont prêts à faire des sacrifices pour vous. Après tout, vous vous êtes assis dessus, mangeant à laine sur le dos. Tu veux venir à la bicyclette avec moi? Tiens, on va aller faire un tour. Je désapprouve, Marc Aurel. Je désapprouve tout à fait ce genre d'existence. Flâner, vagabonder, mélanger les couleurs du papier ou de la toile ne constitue pas un métier, pas même une occupation. En tout cas, pas une occupation digne de mon fils. Il s'agit là tout au plus d'un délassement. Et c'est dans cet esprit que je t'avais laissé suivre les cours du maître Dionnet. Je croyais que vous respectiez Edmond Dionnet. Sans aucun doute, je le respecte. Il fait honneur à notre société, laquelle a su s'attacher ses services. Mais pour cela, nous avons été le chercher dans les vieux pays. Il n'est pas des nôtres. Je comprends pas. Tu sais très bien ce que je veux dire. Nous constituons, nous autres Canadiens-Français, un petit peuple. Et qui en plus est un peuple dominé, asservi et pauvre. Pauvre, surtout. Pauvre. Marc Aurel, il est des obligations auxquelles nul n'a le droit de se soustraire. Et s'enrichir est un devoir sacré pour un Canadien français. Justement parce que notre peuple est pauvre et que nous n'avons pas de solution collective. Ce n'est que, un par un, que nous accéderons à un meilleur sort. Chaque fois qu'un médecin, qu'un avocat, qu'un notaire canadien-français s'enrichit, non seulement il élève la nation qu'il a vue naître, mais encore il montre la voie à des compatriotes moins fortunés. Et son exemple, tôt ou tard, sera porté fruit. Malheureusement, père, je n'ai pas de goût pour l'étude. Jamais je ne ferai un avocat. Un artiste peut également honorer son pays. Un artiste. Tant de jeunesse m'inciterait l'ironie facile. Dieu me préserve de toute étroitesse d'esprit. Plus tard, Marc Aurel, dans 20, 30, 50 ans, peut-être davantage, lorsque nous aurons réussi à faire surface en tant que nation, un simple individu, un Canadien-Français, pourra alors songer à devenir le Michel-Ange de notre Renaissance. Mais d'ici là, notre devoir à tous est de travailler, d'amasser les biens et d'acquérir les honneurs qui conduisent à la puissance. À titre d'exemple, dis-toi qu'il n'est pas un Canadien-Français plus méritant envers les siens que l'honorable Wilfrid Laurier. C'est de ce côté seulement qu'il faut regarder.
Marc Aurel, dois-je comprendre que tu es en train de juger ton père? De me reprocher cette confiance que me témoigne le Premier ministre et les avantages dont elle est assortie? Sache, mon fils, que je me fais gloire d'une réussite qui semble te répugner, comme je me fais gloire de mes relations à Ottawa, grâce auxquelles j'ai obtenu un emploi dans les postes. Un emploi modeste, bien entendu. Ah, mais pour toi, de plus hautes aspirations. Je ne puis te forcer à des études qui te répugnent. D'autre part, un homme doit gagner sa vie. C'est un principe qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et comme je constate que les fréquentations malsaines que tu entretiens à Montréal ne te valent rien, c'est chez ton frère aîné, Edmonton, loin de ses milieux artistes, que j'ai décidé de t'expédier. Je viens de parler à Marc Aurel ainsi que tu souhaitais. Je crois avoir fait preuve d'une grande largesse d'esprit et de toute la compréhension possible à son égard. Mais il ne veut rien entendre. Ce n'est pas une forte tête. Non, c'est un médiocre. Comme d'ailleurs presque tous les enfants que tu m'as donnés. Cette fois, ma décision est bien prise. Je l'expédie au fin fond de l'Ouest. Il ira demeurer chez Joseph Albert à Edmonton. Si loin? Mais il n'a pas une santé très robuste. Il... Je te conseille de ne pas insister sur le sujet de la santé de notre descendance. Tuberculose, instabilité mentale, goût artistique, le choix est complet. Et ce n'est certes pas du côté des fortins qu'il faut en rechercher la cause. Monsieur Fortin, il me faut 60 piastres pour payer lui la chauffage. Veux-tu que je les prenne? J'ai pas un sou. Vous êtes bien certain que vous avez pas une petite toile? Un petit dessin, là, caché quelque part? Tu ris de moi? Veux-tu que je cache quelque chose dans l'état où je suis? Ben, si c'est de même, ramassez vos couvertes. On va plus être chauffé ben, ben longtemps. Vous n'allez pas me laisser avoir froid? Je peux pas supporter le froid. Tu cherches à me faire mourir, hein? Tu veux te débarrasser de moi? Mais d'abord, t'as pas le droit de me priver de chauffage. Il y a des papiers de signer. Je t'ai donné tout ce que j'avais pour que tu prennes soin de moi. Maudit beau cadeau, hein, que vous m'avez fait là, tout ce que vous avez. 4 guenilles. Des toiles qui sont vendues depuis longtemps. C'est toi qui les as vendues pour moi, hein? Sans parler de celle que t'as laissé gâter par ta négligence. Hey, ça fait si bon! C'est pas juste de me parler de même, M. Fortin. Vous le savez. Hey, on vous aime. On vous soigne, là, du mieux qu'on peut. C'est toi qui le dis. Tu veux me laisser avoir froid? Oui, hein. Ça, il y aurait bien une solution. Sous vos conseils éclairés, là, mon garçon a fait 2-3 petites peintures. Vous les aviez trouvées bien belles. Bien belles, bien belles. Vous pourriez peut-être en signer une coupe. Ben oui. Après avoir corrigé, là, comme de raison. Ça, ça réglerait le problème. Signer? Comment ça, signer? Je suis pas capable. Je vois plus clair. Voyons donc, Monsieur Fortin. Vous le savez que vous pouvez toujours compter sur moi. Mais on va vous tenir la main. Je
Je désapprouve. Un homme doit gagner sa vie. My dear Canuck, let me have a look. Huh? Oh, ben dis donc, mon pitou, tu m'as pas gâté. Tu m'as fait que la tête. Alors pour toi, c'est ça, Lily Paris. Je suis pas très à l'aise dans les figures académiques. Vous vous rhabillez pas? Je te gêne. Non, non. Si, je vois bien. J'ai même l'impression que je te fais pas mal d'effets. Faut pas être timide comme ça, voyons. Tu sais que t'es pas vilain garçon. Pas vilain garçon du tout. Est-ce que je te fais peur? On baisse pas dans ton patelin? À nous, de French Canadian Wear Catholics, but... Vous vous trompez, mademoiselle Lily, je vous assure. Allons. Voyons, laisse-toi faire, Canuck. Je sais que je te suis pas indifférente. Et de mon côté, j'ai un faible pour toi. Écoutez, je vous répète... Attends, rieux de Boswell, de Simonac d'enfant de chienne. Qui c'est qui a encore laissé traîner de ces mousses braguettes à terre? Ben... Aide-moi donc, toi, grand niaiseux. Ouais, asseyez-vous là. J'ai un peu d'alcool à vernis. On va désinfecter ça. Vous pouvez être rassurée à présent. Ouais. Puis je suppose que tu trouves ça bien drôle. Quoi donc? D'avoir vu Lily de Paris en beau joie le vert. Fais pas l'innocent. Je sais très bien que t'as compris. Ben oui. Je suis née au coin de Folhomme puis Ontario. Alice Tétrault, mon nom. Mon père travaillait à Shoppingus. C'est drôle. Mon père aussi a travaillé pour les chemins de fer. Sûrement pas sa même job. Ça prend pas un cours classique pour voir que... T'es un fils de bourgeois. C'est qui ton vieux? Thomas Fortin. L'avocat? Oui. Le juge. Parce qu'il est devenu juge. Ça te vaut rien, là. Tu connais mon père? J'ai des petites nouvelles pour toi. C'est tout petit, Montréal. On se connaît tout un peu, si tu vois ce que je veux dire. Surtout quand on a été 4 ans pensionnaire dans un red light, la rue de Bullion. Ça te la coupe, hein? De voir que Lily de Paris, c'est rien qu'une pie soupe, comme toi. Mais tu te diras à personne, ça me ferait du tort. Ah non, bien sûr. Tu comprends, il y a quand même une différence entre nous deux. Je suis née dans Marde, moi. Pas dans le quartier Saint-Louis. Mais cette Marde-là, j'ai décidé d'en sortir. Coûte que coûte. J'avais pas grand-chose pour moi. À part un beau cul. Puis mon air innocent. Dans le bout de Schlaga, quand une fille a de l'ambition, c'est bonne sœur ou guidoune. Le choix est pas compliqué. Tel que tu me vois, j'ai travaillé 4 ans dans le même bordel. Presque un record. Parce que dans ce métier-là, c'est pas les occasions de voyage qui font défaut.
Mais j'en ai appris, par exemple. Dès le début, j'ambitionnais. Toi, ça te paraît simple? Mais une fille comme moi, il faut qu'elle en arrache une sacrée secousse pour se sortir du trou. Il n'y a jamais personne qui est prêt à l'aider. C'est tout seul que j'ai découvert la game. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, il faut que tu fasses croire au monde que t'es né de l'autre bord. Parce que les pissous, tu sais. Regarde-moi. Où j'en suis, c'est déjà pas si mal. Chicago, le nombril de l'Amérique. La ville des artistes. Puis des millionnaires. La capitale de la décadence. Ben, t'as encore rien vu. Parce que je veux devenir riche, avoir plein d'argent à moi, puis des honneurs. Je veux finir dans la peau d'une grande bourgeoise. Puis j'y arriverai. Je te jure que j'y arriverai. La respectabilité de nos jours, ça se mesure en signe de piastre. Je vais devenir présidente des Dames de Sainte-Anne. Puis t'as un paquet de bonnes œuvres. Et puis tout le monde dira que je fais honneur à mon pays. Tais-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu parles comme mon père. Je vais pas te faire de peine. Je voulais juste que tu comprennes. C'est pas de ta faute, Lily. C'est pas toi. C'est mon père. Il m'a envoyé à Edmonton. Ça fait longtemps que je voulais venir à Chicago. J'ai économisé pendant des mois pour me payer l'Institut des Arts. Pour y suivre l'enseignement de Timmons, de Tarbell, connaître leurs œuvres. Celle de Sorolla et Batista. Étudier la technique d'Alfred East. Et puis j'y suis à présent. Je peux contempler leurs toiles tous les jours, tant que je veux. Elles sont partout, sur tous les murs. Et puis j'admire, bien sûr. Mais je me rends compte que ça m'apporte pas grand-chose. J'étais venu ici dans l'espoir de me perfectionner, puis tout ce que je trouve, c'est une source d'influence qui me concerne pas. Je veux pas d'influence. Je veux avoir le droit d'admirer sans avoir à dire merci plus tard. Puis c'est ça qui te rend si triste? T'aurais pas un petit peu mal à la tête, par hasard? Voyons, Marc-Aurèle, laisse-toi consoler. La petite Lily, elle comprend pas tout, mais elle comprend quand même bien des choses. Ben, dis donc, toi. T'es vraiment pas flatteur. On dirait qu'il n'y a pas que devant les peintures de l'Institut. T'es pas à l'aise. Pourtant, les clients difficiles, ça me connaît. C'était ma spécialité, rue de Bullion. Résister à l'élite de Paris. Chapeau. Non. Mais dans ces conditions, je peux pas continuer à perdre mon temps avec toi. Donne-moi vite mon petit cadeau, puis je file. T'as pas l'étonné? Il sera pas dit que je me serais désarmée sur toi pendant tout un quart d'heure pour rien. C'est 5 piastres. Ah ouais. Crash. J'aime ça, l'argent. Lily, the break is over. Coming!
Encore un détail. On a un petit pacte, tous les deux. Si t'as le malheur de répéter un seul mot des confidences que je t'ai faites, dis-toi bien que Lily de Paris en aura long à raconter sur tes prouesses. Quick, Lily, get back where you belong. Don't be so pushy, will you? C'est rien du tout, Chicago. Rien du tout. Je veux rien savoir de Chicago! On va en faire un poste de professeur à l'Institut des Arts et je m'en sac, tu m'entends? Je m'en sac! Monsieur Fortin, qu'est-ce que je dois faire? Imaginez-vous, c'est des journalistes. Il aimerait bien ça, vous interviewer. Je suis malade. Et voyons. Je vois personne, personne, personne. L'aquarelle pure, le flat wash, posséder la maîtrise de l'aquarelle, c'est une technique bien plus difficile que l'huile, mais quelle finesse de nuance on peut obtenir, quelle transparence de ton. Marco, je voulais pas le croire. C'est ici que tu vis, toi. Dans ce réduit plein de courants d'air. Dans cette saleté. C'est pas grand, mais c'est bien chauffé. Même ça porte fait mal. Pour moi, c'est le principal. C'est là ton lit? Le jour, j'empile mes toiles dessus pour avoir de la place. La nuit, je le mets tout à terre pour me coucher. Tu es vêtu comme un miséreux. Je suis un miséreux. Oh mon Dieu, si ton père t'entendait. Il m'a jamais entendu. Ici, au moins, je ne parlais en personne. Non, mais regarde-toi. Tu es dégoûtant. Tu ne te laves donc jamais? Je suis bien comme je suis. Mais qu'est-ce qu'on doit penser de toi? On pense ce qu'on veut. Tu m'avais doté d'un corps qui a besoin de personne. Au moins, vis-à-vis de toi-même. J'ai pas de temps à perdre d'essayer de me rendre attrayant. Ce serait d'ailleurs pas honnête. Tu nous en veux tellement. J'en sais rien. Ça m'est égal. S'il vous plaît, laissez-moi travailler. Je ne dispose pas de beaucoup d'argent. J'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Allez-vous-en. Je veux pas de votre argent, je veux pas toucher à l'argent.
Laissez-moi travailler. Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Mère, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Mère, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Mère, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je présume que ma mort ne change pas grand-chose à tes sentiments envers moi, ma querelle. De mon côté, je n'ai jamais cessé de réprouver ta manière de vivre. Cependant, je tiens à ce que tu saches que j'ai tenu à te léguer exactement le même montant d'argent qu'à tes autres frères et sœurs. 40 000 $. Te voilà riche. Bien entendu, j'ai également prévu des mécanismes qui t'empêcheront de dilapider ce capital. L'argent, vois-tu, mon fils. L'argent me dégoûte, je m'en sacre. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie. Qu'est-ce que ton père a essayé de t'exprimer à sa mort, ma querelle? Ça aurait été si confortable si tu avais déserté, hein? Tandis que maintenant, tu dois bien admettre que ta famille t'a beaucoup aidé. Non, non, non. L'argent, la chose la plus répugnante qui soit au monde. Un homme doit gagner sa vie, Marc-Aurel. Sois logique avec toi-même. T'étais pas du tout fâché que ta mère t'offre ce voyage d'un vieux pays après la mort du juge. Les vieux pays m'ont rien apporté. Je ne me suis pas plus senti chez nous qu'aux États. Vous êtes américain? Non, non, pas du tout. Je vous demande pardon. Et pas de quoi? Canadien français.
Oui. Ça s'entend, je suppose. Je n'ai aucun mérite à l'avoir deviné. J'habite un tout petit hôtel et mon voisin de chambre est un compatriote à vous. Il est très bavard. Il parle tout seul la nuit. Surtout quand il a un peu trop célébré. Cela lui arrive souvent. Ouais. Ça m'a l'air d'un drôle d'hôtel où vous habitez. Un drôle d'hôtel. C'est très beau ce que vous faites. Non, pas tellement. Ça, c'est plus beau. Venez. Ça, c'est un petit chef-d'œuvre. Et Paris, vraiment, ça ne pogne pas. Mais comment ça se fait? Il y a pire que Paris. Ouais, c'est bien possible. Si je vous ennuie, dites-le-moi. J'ai tellement envie de parler à quelqu'un que je risque de vous importuner sans m'en apercevoir. Non, vous me fatiguez pas. Vous ne vous méfiez pas de moi? Non. Pourquoi? À cause de mon accent. Il est vrai que puisque vous n'êtes pas français, vous n'avez peut-être pas les mêmes préjugés. Vous avez un accent? Juste assez léger pour qu'on le remarque. Et vous savez, l'accent allemand de nos jours à Paris, ce n'est pas très bien vu. Pourtant. Vous en faites pas. Moi aussi, ils me traitent comme un habitant. Ah oui. Vous faites exclusivement du dessin? Bon, je pratique toutes les techniques. L'aquarelle. L'huile aussi. La gouache, tout. Avec les dessins qui me plaisent le mieux, je ferai des toiles une fois rentré chez nous. La lumière différente ne vous gênera pas? Très bien. Au Québec, la lumière est d'un gris très chaud. Hein? Un beau gris violacé, c'est très particulier, c'est très difficile à rendre. Vous avez de la chance, monsieur. Moi, l'Allemagne qui me manque, celle dont je me sens fière, est si loin à présent que je suis à peu près certaine de ne jamais la revoir. Vous voulez pas retourner en Allemagne, dans votre propre pays? Je fais partie des Allemands pour qui l'Allemagne n'est plus un pays. Je comprends pas. Il y a peu de gens actuellement qui comprennent ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Que vous seriez ici. Toujours des problèmes avec l'atmosphère de Paris? C'est une ville d'un gris plombé. Aucun rapport avec la lumière de chez nous. Le gris, c'est la dimension civilisée du noir. C'est drôle comme remarque. Je suis pas certain que ce soit vrai, mais c'est drôle. Moi non plus, je ne suis pas certaine que ce soit vrai. Pourtant, le noir est la couleur juive, par excellence. Sur un fond noir, tout brille, tout est plus beau, plus vibrant. Un simple graffiti devient un symbole pathétique.
C'est sur un fond noir que resplendissent les étoiles. Un fond noir. Je vous sers quelque chose? Un café. Peindre sur un fond noir. C'est intéressant, ça. Vous avez des idées, vous? Toute l'histoire de mon peuple se déroule sur un fond noir. Le génie s'y détache mieux et la souffrance s'y voit moins. Peindre sur le fond noir. Vous restez longtemps à Paris? J'espère bien que non, je dois retourner en Allemagne. En Allemagne? Je croyais... J'attends un signal, une possibilité d'aller rejoindre mon frère. Je vais essayer de le faire sortir du pays. Voyez-vous, il ne peut plus rien entreprendre seul et il n'y a que moi qui puisse l'aider. Il est malade? Il est aveugle. Il a perdu l'usage de ses jambes. Un accident? Oui. Il était peintre, comme vous. Il enseignait le dessin à l'université. Il aurait pu devenir un grand artiste. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a quelques mois, des étudiants, de nouveaux étudiants qu'on n'avait jamais vus jusque-là. Ils l'ont précipité du haut de la coupole dans la cage de l'escalier principal. Qu'est-ce que vous me racontez là? Il n'y a personne capable de faire une chose pareille. Il y a toujours des êtres humains capables de n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça qui est important. Pas important, ce qu'ils ont fait à votre frère. Nous avons appris durement, et depuis des siècles, que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on cherche à être, ni non plus ce qu'on fait, mais ce qu'on laisse derrière soi, le sillage. Le sillage est plus important que le bateau. Le sillage. Aucune chance. Pourquoi êtes-vous retournée là-bas? Quoi, Maria Bernard? Qu'est-ce que t'espérais donc de Maria Bernard? Surtout, qu'est-ce qu'elle va attendre de toi? C'est la seule personne que j'ai jamais souhaité avoir. C'est bien vous, le monsieur du Canada, qui est peintre. J'ai une commission à vous faire. La dame allemande ne viendra pas aujourd'hui. Les papiers qu'elle attendait sont arrivés et elle a dû se mettre en route immédiatement. Elle m'a chargé aussi de vous remettre ce dessin et de vous dire qu'elle le trouve trop beau pour prendre le risque qu'il soit détruit au cours du voyage. C'est tout de même un illustrateur de grande envergure. Ah, que voulez-vous, mon cher? L'Europe? Il lui aura fallu faire un stage en Europe pour comprendre que les ciels poblés ne sont pas indispensables à tous les sujets. Je m'alarme. Le peintre est mort. Son imagination volcanique achève de s'enliser dans un individualisme farouche. Ce qui m'inquiète davantage, c'est cette technique insensée. Cette soi-disant manière noire. C'est évident que le fond noir sur lequel est peint le tableau finira par manger les couleurs plus vives qu'il recouvre.
ou les décomposer. Les rouges, surtout. C'est la fin de la peinture. Oh, non. Tu trouves pas, Henri, que ce paysage-là serait vraiment beau avec le nouveau set de salon? Oui, mais c'est un artiste canadien-français. J'aimerais mieux acheter de la peinture anglaise. Ce serait un meilleur placement. Cher monsieur, vous avez mille fois raison. Tout ce qui se trouve dans le sillage du groupe des sept demeure la valeur en or par excellence. Les Canadiens-Français sont trop jaloux pour être capables de s'organiser comme font les Anglais. Allons, du calme. L'opération s'est très bien passée. Vous souffrez? Oui. Je vais vous donner un calmant. Et puis, il faut aussi savoir offrir vos souffrances au bon Dieu. Tout ça n'est pas tellement nouveau pour vous. On vous a enlevé l'autre jambe il y a 4 ans. Le fond noir, la vie massacrée du haut de la coupole. Dans le fond noir! En Europe, j'ai toujours vécu près de la nature. Par les fenêtres de la demeure familiale, j'apercevais de grandes ormes. Tout à fait semblables aux vôtres, Monsieur Fortin. Vos toiles me restituent un peu de mon ancien domaine. Elles ont la même odeur. J'espère que vous êtes sensible aux compliments. Je n'ai jamais vu Mme Goldstein aussi émue. Et pourtant, je l'ai accompagné dans les meilleures galeries de New York. C'est une question de goût. Oh, les Américains ne s'intéressent qu'au paysage urbain. Ou nu, féminin. Vous ne peignez pas de femmes nues, vous, Monsieur Fortin? Jamais. C'est rafraîchissant. À présent, nous devons songer de rentrer à Montréal. Mais je veux revenir. En fait, j'ai l'intention de convaincre mon mari d'acquérir une résidence dans la région. Alors, c'est chose faite. Il ne sait rien vous refuser. Pour ce qui est de l'aquarelle. C'est 60 $. Vous pourriez avoir un beau geste. Madame Goldstein vient de vous acheter 3 grands paysages à un très bon prix. Elle a l'intention de s'installer dans la région. Elle vous en achètera probablement d'autres. Puis, offrez-lui dans cette aquarelle. Elle en a tellement envie. Elle a bien trop bon goût.
À 60 piastres. C'est encore un cadeau. Vous êtes intraitable. Voilà votre compte. Ça fait 9 et 60 piastres. Merci. Et puisque vous ne voulez rien savoir, je vais demander à Mme Goldstein de faire un chèque. Bien entendu, suivant la coutume, je vous laisse le soin de régler l'addition. Romain. Paul. Oh, puis bonjour. Hein? Prenez là votre aquarelle, voir d'un préchis. J'ai entendu parler de ce maudit addition-là. Seriez-vous peindre un cheval? Oui. J'aimerais ça, un beau cheval, sur mon enseigne. Je suis forgeron de mon métier. Comme ça, le monde saurait que je fais aussi les chevaux. Je pourrais payer. Ah, là, par exemple! Abel Gauthier. Il est comme moi, mon cheval, hein? Superbe, hein? Ouais. Pas de misère. Puis donc, c'est quoi votre nom, vous? Ouais, c'est Fortin. Marc-Arel Fortin. Ah bon? Attendez un peu, là. Venez. Venez. Ah, c'est bien. Il y en a des Fortins par ici. En haut, là. Ouais. Mais c'est en grande partie des Bouchards, des Simards puis des Tremblés, ici. Ouais. C'est quoi, c'est un beau coin que vous avez? Oui, hein? Ah, moi aussi, je trouve ça. Bonjour, là, puis merci, hein? Tu reviens encore, là? Ouais. Hein? Ouais, comment je parle, là? Ça doit venir de par ici, ça, ces Fortins. Ah, oui, oui. Un souffle inquiéteux. C'est vous qui avez fait tous ces encadrements-là? Oui. C'est bien fait. C'est de bon goût. Je suis peintre. Je vous apporterai mes toiles. Ah oui? Comment vous appelez-vous? Fortin. Ah, Fortin. Fortin. Comme le Fortin qui a exposé l'année dernière à la Galerie Morancy? Ouais. Marc-Aurel Fortin, c'est moi. Ah, Marc-Aurel Fortin. Mais je serais très heureux de vous accueillir dans notre galerie. Enfin, mais moi, nous aimons beaucoup ce que vous faites. Ouais. Dites-moi, vous avez jamais eu de représentant attitré? Jamais. C'est ce qui me semblait. Sur le plan strictement professionnel et pour notre avantage réciproque, il y a une chose que j'aime à mettre au point. Vous permettez que je vous parle franchement? Allez-y. Mais il me semble que certaines de vos œuvres ne sont pas toujours du calibre auquel on est en droit de s'attendre. Oh, c'est... J'ai toujours essayé des nouvelles affaires. Quand c'est réussi, c'est merveilleux, mais
Souvent, ça fait bien de la cochonnerie. Alors, si nous tombons d'accord, vous attendez pas à ce que je vende tout ce que vous m'apporterez. Bon, moi, vous savez, d'abord, tout ce que je cherche, c'est de peindre, d'explorer des nouvelles techniques. Oui, tous les artistes disent à peu près la même chose. Ouais. C'est beau, ça. C'est ça, à côté. Ça, c'est... Ça, c'est un grand maître. Est-ce qu'il va falloir que... je vous signe un contrat? Un contrat? Pourquoi faire? Allô? Bonjour, Monsieur Fortin. Welcome back home.
Le retour de l'enfant prodigue, ça se fait. Oh, merci, mademoiselle Goyette, vous savez que je bois pas. Une fois n'est pas coutume. Vous avez l'air fatigué, ça va vous remonter. Non, je me... Mais si. J'ai eu bien de la misère cette année. J'ai perdu ma pauvre maman. Vous avez encore la vôtre, je crois. Oui, mais Virtue riche et les dames réparatrices. De sorte que vous êtes tout le temps tout seul? Ouais, faut bien. Je me rappelle que vous êtes frileux. Ça doit être difficile un peu ces longs hivers dans votre vieille maison de Sainte-Rose. J'ai un bon chauffage. En tout cas, vous aurez toujours une chambre confortable à Montréal. Vous pourrez venir hiverner rue Saint-Urbain. Bonheur. À votre santé. Tenez, il faut que je vous joue quelque chose. C'est beau. C'est beau. Bravo. Bravo. Que ma mère nous a quittés, ça ne serait
serait vraiment plus convenable que tu continues à prendre pension dans la maison d'une jeune fille. Une jeune fille! D'accord, Gabriel. Je te marie quand tu veux. Demain matin. It's a deal. Madame Fortin. Madame Marc-Aurel Fortin. Je regrette rien du tout. J'ai jamais rien regretté dans ma vie. La seule chose qui m'intéressait, c'est la peinture, la recherche. Inventer des nouveaux moyens d'expression, des nouvelles techniques, les perfectionner. Tout le temps que je suis resté avec Gabriel, au moins, vous m'avez laissé tranquille. Voilà. Côte de Gaspé. Ah, ça, c'est une très belle casine et je dois l'avouer, la dernière qui nous reste de cette série sur le port de Percé. La dernière? Oui. Je n'en suis pas surprise. L'intérêt de l'artiste devrait être épuisé. Voyons, madame, c'est... Beaucoup de peintres se répètent. Mais Fortin, lui, a parfois tendance à se copier un peu lui-même. Or, les premiers traitements sont toujours superbes. J'aime moins les duplicata. Pourtant, la Galerie nationale d'Ottawa et le Musée de Québec viennent d'acheter... Je sais. Mais les véritables belles pièces, les originaux, resteront encore pas longtemps dans les collections privées. Je vois que vous connaissez très bien la question. J'ai acheté mes premiers fortins en 1938. Ah, ah bon? Oh, croyez que j'ai apprécié vos efforts pour lui établir une cote. À présent, elle ne peut que continuer à monter. Comme pour la plupart des collectionneurs qui ont suivi leur instinct, au lieu de se fier aux critiques, mes fortins constituent une excellente affaire. Oh, quand on parle du loup, le voilà qui arrive. Bonjour, Monsieur Fortin. Ma femme. Madame Fortin? Mes compliments. Oh, mais voilà, voilà toute une nouvelle. Madame, mes hommages. Je crois que vous connaissez madame, elle est justement très intéressée par cette caséine. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. Voyons donc. Madame a plus de goût que toi. C'est une toile de tout premier ordre. Maçonnette, c'est ça, maçonnette. Oui. J'ai oublié de préciser que je suis désormais la gérante de M. Fortin. C'est donc par moi que vous devrez passer pour toute transaction concernant son œuvre. Si vous le voulez bien, nous allons mettre au point ensemble les modalités du contrat. Les chiens, ça va faire, Gabriel. Allez, tiens le dos! Maudite folle! Tu vas pas t'imaginer que tu vas tout réglementer dans ma vie? Je t'ai mangé la laine sur le dos, Marc-Aurel. Il est temps que j'y vois. Cette maudite senteur. Tu ferais mieux de voir à tes maudits chats qui empuantissent la maison. Mes minous! Oh! Tu voudrais peut-être que je me sépare de mes petits minous pour tes beaux yeux? Je t'ai pas fait pour le mariage. Non, moi, j'ai aperçu. Arrête ça, tu veux? Un homme de mon âge prend pas femme pour la couchette. Bon, bon, te fâche pas, Marco. Mon Dieu, quel mauvais caractère. Tiens, vois plutôt. Je te fais une petite surprise.
C'est pas beau? Non, c'est pas beau. C'est franchement pas beau. Bien. Merci pour l'encouragement. Voyons, voyons. On n'est plus des enfants, Gabriel. Regarde. La couleur est plate, c'est éterne. Toute cette surface-là, c'est mort, tu vois? Puis là, ça devrait briller dans le feuillage. Alors, le trait manque de précision aussi, tu vois? Hein, c'est mieux, ça? Oh, quelle différence! Ah, c'est magnifique à présent. Ah, tu es un sorcier, Marc-Aurel. Ça va devenir un chef-d'œuvre. J'espère que tu vas la finir et la signer. J'aimerais bien qu'on s'entende une bonne fois, M. Fortin. Vous, vous voulez pas voir personne? V'là que les journalistes écrivent des menteries sur mon compte. Ils disent que je barre le chemin, que je vous séquestre, que je suis votre bourreau. C'est ça qu'ils disent. Et? Vous voulez toujours pas que je fasse rentrer les journalistes? Oh, laisse faire. C'est des histoires à dormir debout pour vendre de la coquille. Ils n'ont pas moyen qu'on me laisse tranquille. Ben, gaga. En tout cas, vous l'aurez dit. Oui, bien sûr. Je comprends que c'est à la fois un art de refus des valeurs admises et une explosion de sang neuf. C'est surtout une évolution logique de notre art national. Une évolution climatique, en quelque sorte. Nos régions sont le plus souvent trop froides pour peindre sur le motif. L'artiste rapporte dans son atelier des pochades où il a noté tant bien que mal des couleurs et des formes qu'il recompose par la suite. C'est une démarche qui débouche obligatoirement vers l'art abstrait. Saviez-vous qu'E.Y. Jackson numérotait sur ses croquis les couleurs qu'il voulait utiliser plus tard? Comme on fait les cahiers de coloriage des jeunes enfants. E.Y. Jackson n'était néanmoins pas un peintre abstrait. Non, mais où situez-vous juste la démarcation? Ah! Arrêtez de me tourmenter. Cher ami, je suis un vieux réactionnaire. Je préfère Suzor Côté et Marc-Aurel Fortin. Marc-Aurel Fortin? Qu'est-ce? Dites-moi pas que c'est de la peinture, c'est de la cochonnerie! Ça fait rire de nous autres à l'étranger! J'en ai assez de vivre dans ce trois-là, comme une habitante! Je suis une fille de la ville, moi. J'ai besoin d'un climat intellectuel stimulant pour m'épanouir. Bon. Parfait. Bon voyage, Gabriel. Vous autres, vous changez pas. Mais moi, je vis. Et plus je vieillis, moins vous me dérangez. Vieillis, que
ben, je crois qu'il va falloir que je m'occupe de faire soigner cette maudite jambe-là. J'ai vraiment de la misère à marcher. Ben, inquiétez-vous pas, Monsieur Fortin. Je peux m'occuper de vous puis de la maison correcte, hein? Eh, brave garçon. Je sais que je ferai sans toi. Monsieur Marc-Aurel Fortin, artiste peintre domicilié dans la municipalité ouest de la paroisse Sainte-Rose, comté de Laval, constitue par les présentes pour son mandataire Monsieur Albert A., fils de Rodrigue, domicile au 48 de la rue Labelle à Laval-Ouest, comté de Laval, auquel il donne pouvoir de, pour lui et en son nom, gérer et administrer, tant activement que passivement, toutes les affaires et tous les biens meubles et immeubles du constituant, soit qu'ils lui appartiennent maintenant, soit qu'ils dépendent de la succession où il peut ou pourra être intéressé, soit qu'ils lui proviennent de toute autre manière, sans exception. Lecture faite, le comparant a signé avec et en présence du notaire sous-signé. Où la signature? Ici, là. Bon. Ben, ce fait-là, c'est clair. V'là la vie de rupture de contrat. Je reprends tout ce que vous avez en consignation. Hein? Monsieur Fortin s'est laissé assez longtemps manger la laine sur le dos par tous vous autres. Le contrat stipule qu'un certain nombre d'œuvres demeurent le privilège de la galerie. OK, OK. Bonne chance. Quand même moins que le jackpot. Comment pouvez-vous accepter de vous laisser dépouiller à ce point? 15 ans d'efforts anéantis. Plus de 1000. Peut-être 2000 de vos œuvres jetées au dépotoir, le reste vendu à vil prix. Des dizaines de caséines détruites par manque de soins. Des rouleaux d'aquarelles gâchés par l'humidité de la cave. Pour les aquarelles, là, M. Fortin, c'est pas pire. J'ai juste un peu coupé le bar qui a été mouillé. Hein? Le reste, c'est tout ce qui est correct. Marco, mon petit Marco, on dirait que rien ne te touche. J'ai plus le goût de me battre. On est arrivé là. Après avoir sacrifié toute ta vie pour la peinture. Ce n'est pas ça qui est important. C'est le sillage qui compte. Pas le bateau. Monsieur Fortin? Monsieur Fortin? Oh. Madame Lange. Eh oui. J'ai eu beaucoup de mal à arriver jusqu'à vous. On prétend que vous ne voulez plus voir personne. Comment êtes-vous? Je me plains pas. J'ai tout ce qu'il me faut. On me dit que vous avez cessé de peindre? La maladie. Voyons, voyons, Monsieur Fortin, ne me racontez pas ça à moi. Je voudrais vous voir à ma place. Croyez-vous être le seul? Je vous ai dit que je me plaignais pas. Pour ne pas avoir à donner d'explication. Vous qui ne songez qu'à courir les routes à la belle saison, avouez que c'est injuste, non? La justice. Oui, ça vous arrange de faire semblant de l'ignorer? Peut-être bien. Mon père était juge. Ah oui, j'oubliais. Vous m'en voulez toujours, hein? J'aurais surtout voulu comprendre. Comment avez-vous pu vous laisser manœuvrer de cette façon, vous si méfiant, si... Si avare. C'est ce que tout le monde dit.
Personne ne comprend à quel point je déteste l'argent. C'est juste ce qui signifie qui m'intéresse. Mon mari et moi, pendant des années, nous avons travaillé à vous établir une cote, mettre de l'ordre dans votre production. Ah, bien sûr, nous y avions aussi notre intérêt, nous percevions une commission. L'artiste vit de son art, le médecin vit de ses malades, le prêtre vit de l'hôtel, mais le marchand de tableaux, lui, exploite les peintres. Je n'ai jamais dit ça. Oh, mais vous l'avez laissé dire. Et c'est juste au moment où ça commençait à devenir intéressant de vendre des fortunes que vous nous avez claquées dans les mains. Écoutez, je... Oh, je ne vous demande pas de vous justifier, je vous le répète, je voudrais comprendre. Je vous connais depuis 20 ans et je ne sais toujours pas qui vous êtes. Oh, laissez faire. Vous avez raison, j'étais venue en amie. Je me laisse emporter. Depuis la mort de mon mari, je ne suis plus tout à fait la même. C'est vrai que la vie vous a pas gâté. Non. Seulement moi, c'est différent. J'appartiens à une race de parasites. On prétendra toujours que nous vivons sur le dos des artistes, même si dans la réalité, c'est souvent le contraire qui se produit. C'est à vous qu'on trouvera toutes les excuses. Pourtant, une galerie d'art, un lieu consacré à la beauté sous sa forme la plus récente, ça devrait être magnifique, même si on doit en vivre. J'aurais pas cru que vous alliez continuer tout seul. Oh, j'ai souvent pensé à tout laisser tomber. Seulement, ça aurait été une lâcheté. On n'a pas le droit d'arrêter de se battre. D'après vous, j'ai tort. Vous n'avez aucune raison de refuser de peindre. Vous êtes en pleine possession de votre talent. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai plus le goût d'essayer des affaires. Il me semble que j'ai complété la boucle. Vous n'en pensez pas un mot. Jusqu'à votre dernier souffle, vous chercherez, vous combinerez des utilisations nouvelles de matière et de couleur. Avouez que j'ai raison. Oui. J'y pense tout le temps. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour reprendre vos pinceaux? C'est fantastique. Est-ce qu'il faudra attendre sa mort pour que quelqu'un lui rende l'hommage qu'il mérite? Alors c'est ça, votre fortin. Et ça ne dépasse pas le Modern Style 1925, revu et corrigé par le groupe des 7 pour la publicité des parfums Pivert, dans la défunte illustration. Qui est cette dame? C'est une intellectuelle très lancée dans les milieux d'extrême gauche de la peinture. Nous savons qu'en art, c'est l'extrême gauche qui est l'establishment. Ne vous inquiétez pas, la sympathie ne devrait pas tarder à revenir à l'opposition. Comme toujours. Ce sera justice. Personne n'a rendu la lumière du Québec comme Fortin. Regardez-moi cette exubérance, cette joie de vivre. Ah, pour peindre avec un tel enthousiasme, ce septuagénaire doit être le plus heureux des hommes. Ce type est un anachronisme vivant. Au début de sa carrière, on ne le prenait pas au sérieux, sous prétexte qu'il était trop révolutionnaire. Aujourd'hui, il est dépassé. Oh, dépassé? Comme figuratif, il y a pire. Celui-là doit rudement plaire aux environs de la rue Laurier, ou dans les intérieurs bourgeois du boulevard Saint-Joseph. Vous ne craignez pas de regretter un jour des jugements aussi radicaux? Pourquoi? J'en dis pas de mal. Je trouve même que c'est le cadeau idéal pour le salon de Bobonne à l'époque des fêtes. Il n'y a pas de critique de peinture au Québec. On n'est pas assez connaisseurs. Monsieur Fortin, c'est vrai que vous voulez nous laisser? Hey, pourtant, on avait signé les papiers, hein? Hey, moi, là, je pensais que c'était à vie et à mort entre vous et nous autres. Oh, fais pas semblant de pleurer, Albert. J'ai peint un sou, plus une esquisse. Je suis trop malade pour espérer jamais repeindre.
Vous avez toujours aimé à vous plaindre? Hey, après tout, on n'a pas tellement dépensé, hein? Vous devez bien avoir encore l'argent de votre mère. Les journaux racontent que vous êtes millionnaire. Hey, millionnaire! Moi, je suis sûr que vous devez avoir encore des petits comptes de banque là, cachés à droite et à gauche. Je sais pas de quoi tu veux parler. Hey, vous me sacrez là? Au moment où je suis déjà dans le trou, j'ai plus rien à vendre, là. On va venir me saisir d'une minute à l'autre. Pourtant, vous, vous avez encore des amis qui sont prêts à faire des sacrifices pour vous. Te voilà bien avancé maintenant. Tu te retrouves tout seul et plutôt diminué en face de ta postérité. Marco, je trouve que tu n'as pas eu une vie très heureuse. Laissez-moi tranquille. Je regrette rien du tout. Je t'avais pourtant prévenu que le temps n'était pas encore venu pour le Québec de produire des artistes. Permets-moi de te dire que tu n'as pas réussi grand-chose. Si au moins tu avais voulu m'écouter. La souffrance se voit moins sur un fond noir. Tout brille. Tout est plus beau. Tout brille. Tout est plus beau. Est-ce que vous savez seulement de quoi vous parlez, tous autant que vous êtes? Vous êtes tous passés à côté de l'essentiel. Qu'on laisse derrière soi. Hein? Hey, Monsieur Fortin, je sais plus quoi faire. Les journalistes insistent pour être reçus. J'ai l'impression qu'ils sont prêts à tout casser. C'est là que je les verrai à l'hôpital. Monsieur Marc-Aurel Fortin, qu'est-ce qui a le plus compté pour vous au cours de votre vie? La peinture. La peinture. Quel type de peinture? Le paysage. La campagne au Québec est plus intéressante qu'en France. Mais cette considération mise à part, qu'est-ce qui vous attire plus particulièrement dans le paysage? Le paysage m'attire le plus parce que c'est un genre qui est décadent aujourd'hui. Avec les écoles des non-figuratifs et des abstraits. Et que pensez-vous de ces tendances de l'art moderne? C'est pas de la peinture pour moi. C'est de la folie, ça. Ça n'a ni queue ni tête. C'est du barbouillage. Quel est, selon vous, le plus grand artiste de tous les temps? Michel-Ange est le plus grand artiste qui a jamais existé. Peinture, sculpture, architecture. Michel-Ange, il avait une bonne manière de travailler. Il employait des pauvres diables comme modèles. Il les crucifiait. À Chapelle Sixtine, les figures qui expriment la terreur, le monde n'a jamais vu une affaire pareille. On dit que Michel-Ange était homosexuel. Je le crois pas. Quels étaient vos objectifs personnels? Dans ma peinture, moi, j'ai toujours essayé de donner un caractère canadien où on voit pas l'influence des écoles d'Europe. Vous n'avez jamais eu le projet de former vous-même une école de peinture québécoise? C'est impossible de réunir les Canadiens français. Ils sont trop jaloux. La critique d'un artiste canadien par un Canadien, ils le démolissent, ils ne l'encouragent pas. Tandis que chez les Anglais, c'est tout le contraire. On vous a surnommé le peintre des grands arbres. Êtes-vous d'accord? J'ai inventé les arbres verts pour montrer qu'il y a autre chose
que de la neige dans la province de Québec. Considérez-vous que vous avez réussi votre carrière? Oui. Je sais bien coté. Et votre vie? Oui, aussi. Auriez-vous aimé avoir des enfants? Hein? Auriez-vous aimé avoir des enfants? Oui. Ma femme est une personne maladive. Mais de toute façon, vous vous êtes marié tard. Aviez-vous renoncé aux femmes pour la peinture? Un artiste devrait jamais se marier. Pourquoi? Parce que c'est un genre d'occupation qui n'est pas dans la bourgeoisie. Vous vous êtes pas contenté de peindre suivant les normes. Toute votre vie, vous avez cherché des nouvelles matières, des nouvelles techniques. Un artiste véritable se tient jamais pour arriver. Il cherche constamment. Par exemple, la manière noire. Il n'y a que moi qui en ai fait. Comment vous est venue l'idée de peindre sur fond noir? C'est à Paris. J'ai vu un marchand de tapis arabes qui se promenait. Le tapis était noir. Il y avait toutes sortes de dessins en couleur dessus. Ça m'a donné l'idée. J'ai toujours cru en la Providence. Si vous deviez recommencer votre vie, je ferais la même chose. Avez-vous des regrets? Non. Avez-vous souffert de la pauvreté? Mon père m'a toujours dit, un homme doit gagner sa vie. J'ai jamais manqué de rien. En somme, vous êtes satisfait de votre destin? J'ai eu un destin à peu près semblable à celui des autres hommes. Mélange de tristesse, mélange de bonheur. Quand vous sentez-vous le plus heureux? Quand je suis libre de faire ce que je veux et que j'ai quelques piastres dans mes poches. Et l'amour? Pardon? L'amour? L'amour.